Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est reparti sur l'acte 2 où nous continuons ce matin à la fois. C'est-à-dire que nous avions notre bâton au Radrim. Et nous avons trouvé de très bonnes bottes hein, qu'on va sûrement utiliser un peu plus tard. Il faut que je level up avant. La prochaine fois j'entre au village, la prochaine fois que j'y pense. Oula, on va pas s'emmerder. Hop. Voilà, tout, on fait toujours simple. Voilà. De la rien, parce qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant dans la rien. Même pas sûr qu'il y ait des serviteurs. Oh, si, peut-être même. Putain, ils ont beaucoup de vie. Et voilà, on est très bien. Hein. C'est barré. Ah putain, je crois qu'ils étaient avec moi. Bien, bien, ils sont là. Oh la vache. Il y a un peu beaucoup de détails. Normalement, il y a... Ah ouais, c'est ça. Okay. Il y a des gardes là, il est quand même bien, bien plus de son. Très, très bien fait. Ça traduit exactement ce qui s'est passé dans cet endroit. Voilà, le but c'est de pas se faire toucher par le poison, parce qu'on a quand même pas beaucoup de résistance poison. En plus, il est enchanté par le froid, ouais. Trop la vache, leur masse est vraiment bien faite aussi. Ouais. Ouais. Dit, on passe au niveau 3, ne faire attention. Voilà, parce que. Oh là là là. Il reste beaucoup à la magie, il me semble. Oui. Il y a un serviteur, donc on va essayer de buter. On va prendre un assistant en plus. Oh putain. Dès que je rentre, je me fais buter. Voilà. Je vais juste buter sur la caisse. Et il est remarquable. Il est là. Ah non, bien sûr, c'est bon, voilà. Hello, le A, ah, il est là-bas. Il est malin. Je peux plus avancer, ouais. Oh, il y a un autre. Ah ouais, bon, écoutez. Oh, c'est vraiment le bazar ici. Alors là, c'est un massacre. Cœur de démon. Oh! Vous voyez, j'ai bien fait de prendre un. Il y a plus, hein. Juste pour faire où. Regardez. Non, pas terrible. Pas terrible, ça vaudra cher. Je pense que ça vaudra pas très cher. Là. Oh, c'est trop classe. Pas comparer comme ça. Alors, du coup, est-ce qu'on fait n'importe quoi? Je pense qu'on va faire n'importe quoi. C'est parti.
Sortir des arcanes, c'est un endroit souvent qu'on n'aime pas trop, trop. Ce qui est très long en plus. Donc si c'est pas ici. Pas la peine d'essayer de mettre un portail sur le coup, on crève. Et on relance. On a dépensé là 10 000 gold pour faire un côté, ça coûte cher. Bon. Je trouve ça plus que nécessaire. Que puis-je pour vous? Pas grave. Hop, sur les 60 000 qu'on a perdu, on en regagne déjà 40 000. Ceci dit, avant de se téléporter, il vaut mieux toujours avoir moi. Ah, ressuscité. Je sais pas exactement ressuscité que j'aurais voulu avoir, mais bon. Voilà, tout simplement comme ça, quand vous TP, vous avez peut-être un peu de chance que tout le monde ne vous tape pas en même temps. Vous tapez plutôt vous êtes ressuscité. N'est pas là, là j'ai le temps de faire un TP. Bon, il n'y a pas de chance. On va essayer d'économiser les TP. C'est ici, bon. Donc on se fait quelques TP et peut ressusciter et après ça peut massacre. Et on est prêt pour invocation. On prend les specs, c'est bien, on pourra directement sur invocation. Les specs, c'est alors, ce sont les meilleurs, insensibles aux dégâts. Il reste beaucoup d'éléments. Ah, il y en a un qui fait les mêmes que les autres. Là, il y en a un qui est étrange. Enfin, bref. Oh, ceinture d'or, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que je cherche? Parfait du coup. Ouais, je vais juste téléporter tout le monde sur invocation, ça va aller droit au but. Je sais pas pourquoi il rigole. Alors pour donner juste 2000 sous, c'est vrai que je suis un petit peu déçu. Alors, c'est pas l'étoile, le triangle, c'est la vague. Donc, par contre, la vague, je ne sais pas où elle est. Non, je sais pas trop où est-ce qu'elle est la vague. Bon. Ah! J'ai entendu quelque chose qui ne me fait pas plaisir. C'est là que les broyeurs, ce qui est. Merde. D'ailleurs, ce qui est bien, moi je sais pas ce qui est bien, j'ai arrêté de me taper moi, taper mes invocs. Là. Bon, c'est parti pour le massacre. Je disais ce qui est bien avec les broyeurs, c'est qu'en fait ils résistent ni aux dégâts physiques, ni aux dégâts. Alors sauf lui, feu, ce qui fait que globalement on peut vraiment leur faire mal.
Avec les explosions morbides comme ça. Ah, il y en avait deux. Je disais qu'il y avait beaucoup de monde pour un seul. Ça va faire. Un gros verre, ça va leur cher. Ah oui, ça vaut clairement cher. Hop, et 35 000 direct. On va juste peut-être prendre ses potes. On va prendre ses bottes parce que pour char, si hein, c'est bon, on a du temps. En vrai, les bottes qu'on a trouvées sont très très bien, mais je suis sûr qu'on peut trouver mieux. Il y a eu en plus, c'est celle qu'on a trouvé. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de les mettre. On va peut-être les... Bon, je peux les mettre. Il y a vraiment en plus, il y a la marche très rapide, mais ça fait un délice, comme on dit chez nous. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? La vague, c'était là. Ok, j'ai eu de la chance. Il me semblait que c'était là et j'étais vraiment pas sûr. Donc, on va aller voir Charcy. Je vais demander d'envoûter ceci. Bon, sans aucune pitié, mais ça tombe bien parce que dans le lore, en fait, on pense qu'on a buté Horazone. Du coup, ça s'appelait Invocation. Je sais pas pourquoi on appelait Invocation parce que c'est Horazone. En fait, il est pas mort, Horazon. Il est à moitié mort. Et en plus, c'est très drôle parce que dans le lore. Pourquoi on veut chercher Invocation et Horazon, je m'en souviens plus. Ah si, je m'en souviens. Mais il était gentil. Il est devenu méchant au bout d'un moment, mais il nous avait aidés. Alors. Oh là 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 là! Vraiment, j'arrive d'espérer que quoi que ce soit de Charcy. Ouais. Du coup, c'était ses bottes. On va nous mettre nos 5 points ici. Donc, regardez bien. Nos résistances, vous voyez. Hein. C'est assez fou. Le seul problème, c'est qu'on avance plus vite du tout. On va comparer nos deux armures. Voilà, c'est. Honnêtement, je vais peut-être mettre ça quand même. Voilà, on court moins vite. Un petit peu moins vite parce qu'on passe de 40 à 25%, mais c'est quand même franchement bien. Et ce qui est surtout bien en fait avec cette armure, c'est que ça nous donne de la sortie rapide, la vitesse de récupération très rapide après un coup. Ça rend deux stats extrêmement importantes. Parce que dans un cas, ben, on va lancer des sorts plus vite, donc on va augmenter notre DPS, nos dégâts par seconde. Et dans un autre cas, ça nous augmente beaucoup notre survivabilité, parce que c'est vraiment très important. Quand on se téléporte, si vous n'avez pas de récupération très rapide après un coup, vous voulez téléporter, vous allez crever. Donc je m'en souviens plus sur ce style de grotte, on avait dit si c'était en bas ou en haut. Ouais, on lance plus vite nos lances d'os, clairement. Une potion de mana par ennemi, bah ça va coûter cher les coucou. Par choix seulement dire. Hein. Oh merde. Il me semble que c'est vers le haut, bon on verra. Oh yes, on n'a pas succès en social damage, on a vraiment eu beaucoup de chance, c'est top. Vraiment con les apparitions. Mais c'est fort. Oh, le bruit que ça fait tellement entre les ennemis. Oh merde, je suis en prison.
Oh, un petit sein de peau. Cool. J'essaie d'aller vers le haut comme ce qu'on pensait. Bah t'as trop du bien. On fait exprès, hein, c'est ça quoi, du coup on va pas. C'est pour nous emmerder, ils ont bien raison. Hein. Ça rend difficile parce qu'on peut pas tout tuer. Charme majeur un peu. Dommage. Oh, peut-être ici, on verra. Oh merde, trop d'ennemis. Oh non. Oh, oui. Merci. Il avait la peste, mais il avait aussi le vaccin contre la peste. Code de maille triangulé, ça vaut cher. 86 de force. Vous voyez, hein, si vous avez un petit peu de force, vous pouvez refaire le mot de Talette. Oh merde, j'ai pas eu. Oh. Je disais que avec ces codes de maïs, typiquement, vous voyez une note moronique, là, il n'est pas terrible, c'est dans 28 de défense, mais vous pouvez mettre quelques points dans la défense pour mettre ce nouveau moronique dans une défense, dans une armure avec plus de défense. Pour bon, moi, je le fais pas parce que je trouve que c'est pas terrible. Alors, hop, cette question n'est pas plein d'antidotes. Ah yes, des apparitions. C'est ici. Oh putain. Oui, c'était bien vers le haut. Oh la vache. Alors, si vous prenez que des éléments, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est extrêmement fort qu'on les boss. Hein. Moi, gros, tant pis. Hein. Parce que ça enlève des PV max au boss. Donc ça permet de le faire mal très vite. Hein. Ah, il tape. Ah non, je croyais qu'il tapait le spec parce que là, il serait complètement con. Regardez pas quel j'étais. Ouais, il leur fait aucun dégât. Les combats pour les boss, vous voyez, c'est
demande pas beaucoup de skill. Hein. Ça demande pas beaucoup d'expérience. Faut savoir cliquer. Mais reste cliqué. Bon, il en aura jamais tué un seul. Oh, Omonos. Oh, 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 oh. Alors, je confonds toujours, mais on aura peut-être le Homme de Trangoule. Ce serait assez drôle. Hein. Le Homme de Trangoule qui donne... Il ne servira à rien, peu con. Oh, oh, yes. Merci, Uriel. Le sabre, on sait ce que c'est. C'est... je sais plus comment il s'appelle, maintenant. Angélique, voilà, c'est ça. Avant, c'était divine. Ah, t'as un créneau, c'est... Oh là là. Oh là 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 là. Bon, au moins, il nous a donné un parchemin pour ce film. Et le diamant sans défaut. Donc, il nous en fait deux, comme un dernier, pour faire plus 19 de la résistance. Il en sera content. Salut. Attendez, j'ai dit. J'hésite, est-ce qu'on se fait un diamant sans défaut? Ou est-ce qu'on met deux diamants? Puis, non, est-ce qu'on met pas de diamants sans défaut au lieu de... Deux diamants purs, parce que les diamants purs, je pense qu'on les aura jamais d'ici la fin. Écoutez, on va faire ça. De toute façon, après, vous pouvez racheter un bouclier quand vous serez riche avec plein de diamants, vous refaites bien. Je pense que là, ce sera largement suffisant, parce que du coup, ça nous donne... On aura 60 à toutes les résistances. Et après, avec le parchemin de Mala à l'acte 5, ben on sera bon. On sera 70 partout. On va faire ça. Voilà. 68, 62, 56. On a vraiment des bonnes résistances. Hop. Oui, c'est terrible, je sais. Améthyste, il nous en manque un pour pouvoir faire un petit craft. Ah bon, on s'est fait des sous, on va réparer notre bateau de téléport. Et non, on est toujours prêt en quantité d'or, on ne diminue pas, on n'en prend pas beaucoup non plus. Pourquoi j'ai gardé ça, moi? On le vendra si on a besoin de sous. Et ben c'est tout pour l'acte 2, hein. On a gagné 3 niveaux. 2 niveaux, je sais plus. Donc ça va être un peu difficile pour point de vue XP. Merde. Et l'acte 3, nous voilà. Bonjour. Comment le dis-je? Oui, je sais que je t'adresse à toi. Et là, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, quoi que ce soit, à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Et je vais vous dire à la prochaine. Sur notre épisode sur les résurrectés, on continuera. Cet acte, on commence franchement au niveau stuff, on pas trop. On commence à avoir des trucs plausibles, des trucs à peu près bons. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.